Genre, c'est pour ça que ça me fume, c'est je fais putain, Ultimate, on est plus et on a moins de VOD. Genre, il y en a une, j'ai pété un plomb. Genre, vous étiez 17, il y avait 20 VOD. Que wesh. Ah ouais, mais nous, on dose, tu vois, genre au travers de le stream, les gens veulent voir leur match, les gens veulent analyser. Après, oui, je comprends, hein, mais c'est pour ça que j'ai débloqué. Enfin, bref. Oh putain, et en plus, il a pris l'inferno. Et oui, et il a déjà un revenge sur une bombe. Ah, en fait, ça va bien se passer, en ça. Fait, c'est ça. Il va se prendre, il va avoir le revenge quasiment tout le temps, tu vois. Mais il va galérer à toucher. Mais bon, après, c'est pas grave, quoi. C'est, tu touches deux side B, c'est bon, tu prends une stock. C'est ça, mais le problème, c'est que s'il a le revenge et qu'il se fait grab, il perd le revenge. Ah, c'est comme ça que ça marche? Oui, dès qu'il se fait toucher par un move qui a une propriété de grab, il perd le revenge. D'accord. Donc, par exemple, Neutral Vid Wario, c'est un command grab, il perd le revenge. D'accord. Bon, cela dit, là, il a 4 revenge. Oh, moi je suis pas à l'aise, hein, genre. Et aussi truc chiant, le revenge part avec le temps. Ah, il a, d'accord. Okay, il a touché avec le backer. Je sais pas si le revenge était encore activé. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Je pense que le F-Stroke ouais. Quoique Samus fonctionnerait pas, mais c'est lourd. Dans Ultimate, ça c'est dans tous les Smash. Samus est toujours lourd et c'était quoi? C'était un fer qui a pris la stock là? Je sais plus si c'était un fer moi. Si je crois que c'est un fer. Ah, là il est parti le chercher. Ah ouais. Ah, et puis le fer de Samus pour l'éviter, faut s'accrocher quand même. Mais du coup, bah, game bien even. C'est si Chrome, s'il a peur des projectiles, clairement là il s'en sort bien. C'est vrai qu'il s'en sort bien, hein, genre il arrive à mettre la pression à Zell avec Samus. Alors normalement, Samus, pas les steaks. Hein. Excusez-moi le terme, mais en général il est dans son coin, il fait son café. Non, mais on voit, tu vois, genre. Miaou! Oh non, ça. Je pensais que ça l'aurait fini à côté. Ah. Ouais. D'ailleurs, le notice de Mixperno, c'est aussi un truc bien craqué. Hein. Enfin, en fait, ça le fait décoller pile dans un angle où les trois quarts de ses moves passent. Ouh. Là, par contre, il lui a mis les grosses coups de patoune sur son casque. Et c'est. Ouais, Free Chrome sur la deuxième stock, il se fait à peine toucher et qui prend la stock d'Azel. Putain, mais Chrome il a demandé de voir les VOD pour analyser, mais je crois que c'est elle qui va regarder. Bah c'est ça, c'est pas lui d'analyser. Éventuellement il peut analyser pour voir s'il peut mettre plus de revenge et plus de side-key, mais mais là on est pas mal, quoi. Cela dit, depuis tout à l'heure là, Azel qui fait le stock vraiment propre, qui se met dans toutes les dans tous les trous du zoning de là, c'est bon, là c'est la. Tu vois le ledge quand Samus fait des bombinettes, c'est l'endroit de la peur. Un bon neutre. Ok. C'était pas mal, ouais. Très bon comeback d'Azel là, ce qui a fait une stock impeccable sur Suicrome. Ah c'est ça, il a fait. Attends, fait. Il est revenu hein. Mais c'est ça, miaou. Allez, miaou. Attends. Voilà, il est tout rouge. Attention. Ok, non, il a fait dash attack, il a utilisé la stock. Ok. Voilà. Okay. Oh. Il faisait side B, il faisait parce que le side B de Finferno, il y a trois variantes. Il se le prend, mm-hmm. Il tape ou il le met vers dans les airs. Là il y avait le revenge dans les airs, il était mort. Miaou. Ça y est, c'est bon. Avoir fait Finferno, je vais plus parler l'humain, je vais parler le chat musclé. Au cas. Eh oui. Le chat musclé. Ok, là. Ah. Au fait, est-ce que je t'ai dit que le side B avait de l'armor? Il a de l'armor. Il a de l'armor, alors il y en a une très légère, mais il a de l'armor. Bah, mais ça, c'est complètement fer, ça. En fait, c'est très bizarre parce que l'armor s'active au moment où les deux se touchent. Mm-hmm. Ça veut dire que là, dans ce cas-là, il l'a tapé en même temps, sauf que comme il a grab, l'armor s'est activé. Mais tant qu'il ne touche pas la personne avec son side beat, il n'y a pas d'armor. D'accord. Du coup, ça fait que les situations où c'est censé clanquer, non. En même temps, tu vois, avec son gros bras musclé là qui revient, ouais. Bah c'est. Forcément tu. Bah c'est ça, hein. Ah, moi c'est ça, mais j'ai vu ce grand faire droite, gauche, je fais c'est bon, il va s'aider. C'est bon, non mais ça se voit. Genre là il lui fait appel, il fait miaou. Il lui a miaulé violemment dans l'oreille. C'est ça, hein. Oh la vache. Alors, où est-ce qu'on va? Ça choisit la musique. Le counter pick dynamique, c'est important quand même. C'est important, surtout quand en musique tu vas dans Tekken et parmi toutes les musiques tu mets Yodeling qui fait ton. Ah, elle est là. Elle est dedans. C'est une des meilleures musiques de tous les Tekken. Hein. Alors elle est dedans et moi, clairement. Quand on me dit, quand les gens voient que je clique sur Tekken, ils ont des sueurs froides parce que trois quarts du temps je la mets. Quand je la mets pas, c'est le thème de Jin. En même temps, il est incroyable ce thème. Genre tu joues, la game est sérieuse, t'entends. Ton. Ah,
c'est simple, genre SNK et Nanko avec Kei et Kazuya. Tu aurais dit, les gars, on doit mettre 10 musiques, on les met lesquelles parmi toute cette sélection? Yes. Exactement. Franchement, après au moins on a pas mal de musique. Et d'ailleurs, tu sais que ce, justement, le stage dont la musique vient, c'est un stage que tu peux pas sélectionner dans Tekken 6. Oui, oui, c'est celui avec tous les boutons là. Ouais, ouais, c'est un stage caché et faut. C'est mon stage préféré, j'étais trop triste de pas pouvoir le choisir à chaque fois. Je sais qu'on dérive un peu, mais j'adorais jouer Brian sur cette map. Genre, tu vois, t'as plein de boutons et lui, il est comme ça. C'est bon, ça me termine. Bon, enfin, bref. Sinon, je pourrais parler de cette map et de ces magnifiques moutons, mais bon. Ah, mais une grande histoire d'amour, cette map. Hein. C'est ça. Et pendant ce temps, Suicrom qui prend le lead sur Azel, mais qui a malheureusement pas su finir la stock, et là, Azel qui a installé son... neutral. Oh, c'était pas mal le up tilt là pour mixer les timings. Oh, il a voulu l'attraper, il voulait lâcher, hein. Ah bah bien sûr. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que Pelinferno, il a son neutral beat, c'est un auto shield trop trop bien. Son neutral beat? Oui, parce qu'en fait, si tu prends tous les coups, ça peut te break le shield. D'accord. Après, c'est facile à esquiver le timing. Mais bah, puis j'ai l'impression que ça sort quand même relativement vite le neutral beat. Ça sort très vite. Ça fait beaucoup penser au up beat de Donkey Kong par exemple. Je sais pas dans Ultimate comment il est. Non, mais c'est vrai que dans Melee il va vite, mais dans Ultimate il est plus lent mais il a de l'armure. D'accord. Et il kill. Okay, bon. Et en parlant de kill, bah Suicrom qui a trouvé le premier kill sur Azel et qui là va presser l'avantage. Ah, bien joué le Up B pour sortir du combo. Le Up B de Samus qui est vraiment l'un des auto-shields les plus dégueulassement forts. Hein. Ça t'attrape de loin. Alors ça a du mal à kill en fonction du perso, genre on l'a fait Inferno. Mais quand même, pour un auto-shield, c'est un très bon kill power. Ça t'attrape parce que la hitbox au sol, genre, ça aspire. T'as Samus, oui, ça aspire, mais genre de loin. Mm-hmm. Et sur les triplates, Samus elle se met sur la plateforme. Elle, voilà. Le beurre et l'argent du beurre, quoi. Mais exactement. Après, bon, il y a Cloud qui fait la même chose en un peu mieux parce qu'il va plus loin. Et pendant ce temps, il y a Speakrum qui est en train de visiter tous les... Miaou ! Miaou ! Pardon, excusez-moi, dès que je vois ça, je vais appeler ce combo Miaou. Juste ça, Miaou. Le combo en un coup. Ok, Azel, là, il y a... Ok, nice. Là, c'est compliqué, hein, parce que... Non, c'est lourd, hein, fait l'Inferno, hein. Bah c'est ça, c'est lourd et ok. La dash attack qui est trouvée, la dash attack de Samus qui est quand même vachement balèze dans ce jeu. C'est vrai que... Il y a beaucoup de moves de Samus dans Ultimate qui sont devenus vraiment buzz, c'est dingue. Déjà que il me semble qu'elle était pas dégueu avant, bah bon alors là je sais pas ce qui s'est passé mais... C'est bah là c'est comment oh. c'est la première fois depuis Melee où Samus est vraiment un perso dangereux. Dans Smash 4 c'était pas trop ça, hein, le perso, il manquait beaucoup de trucs. Ok, Donner Backer. Ok, il lui a mis une phase, il a rattrapé tout le retard. Le retard c'est un concept, hein. C'est... Bah ouais c'est les... Dès que les joueurs trouvent une bonne ouverture, ils savent bien convertir. Et là, dash attack de Fée Inferno. Dash attack revenge. Dash attack rage. Dash attack miaou. Dash attack. La miaou attaque. C'est bon. C'est bon. Mon cerveau n'a plus aucune source de logique là. C'est fini. Hein. Tu peux te permettre d'interagir avec Fée Inferno, mais faut faire attention. Hein. Bah c'est ça, c'est faut vraiment prendre des précautions, faut mettre des gants. Parce que là en plus ouais, Speakrum qui a quand même la gâchette assez facile sur le rivage, donc ça peut vite tourner au vinaigre pour Azel. Ah dommage, le grab, belle belle réaction mais trop tard. Attends, tu le sens, est-ce que tu le sens? Moi je le sens pas. Oh. Ah ouais mais... Je l'ai senti fort. Il essaye, hein. Mais même si ça passe pas, c'est pas grave. Il se passe des trucs bizarres. Le upper de Samus pour battre le up smash de Fée Inferno au sol. Miaou. Oh, ça tue? Et non. Non, ça tue pas. Pas encore, mais très proche. Hein. Là, Azel qui est un side B, du loser bracket. Alors, c'est l'heure de faire la voix de loser mathématicien. Alors, en fait, il a survie non pas par grâce à la SDI, mais grâce à la LSI, qui est une mécanique qui permet d'influencer la vitesse de l'éjection. Voilà. Très bien, voilà, on en apprend tous les jours. Voilà, du coup oui, il y a un truc qui s'appelle la LSI. C'est pas la même chose. Miaou ! Ce n'est pas la même chose que la DI. Et là il a failli survivre parce que la rage mais... Mais non. Conclusion, celui qui veut voir la VOD pour gagner. En fait c'est juste un flexeur. Voir la VOD pour dire ah ouais je suis vraiment fort en fait. Putain il est tellement beau. Oh là là, ah ce fait Inferno.